grand-chose, venir faire son sac, vérifier qu'on ait tout ce qu'il faut et embarquer dans le car. Si on part assez rapidement après l'entraînement, on fait la sieste dans le car. Et là, un déplacement comme Langenthal, on va profiter de faire la sieste avant de monter dans le car et puis se reposer un petit peu, mais s'endormir dans le trajet. Bon, ça, c'est en général des choses qu'on garde bien pendant des années. Tant qu'on ne change pas de club, on ne change pas de place en général. Il y a 2 ans, ouais, un déplacement à Viège, à 100 km/h sur l'autoroute, j'ai un pneu qui a explosé, quoi. J'ai réussi à avoir le car mis sur le côté, puis on a fait appel à un autre transporteur pour les amener à la patinoire. C'est toujours le même par contre, parce que le retour, c'est en principe, c'est visionner encore une fois le match, regarder encore une fois les différentes séquences pour avoir une image un peu plus complète du match, comment c'est déroulé réellement, et puis surtout des bonnes et des mauvaises choses. Et puis à la suite de ça, ça nous permet déjà de faire une première analyse par rapport au match, et puis pour pouvoir continuer de travailler le lendemain.